forever. Let's do King Julian style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit test et découverte dans le cadre du Steam Game Festival. Et aujourd'hui, nous allons tester Orphan Age, petit jeu développé et édité par Studio Black Flag. Il y a une private alpha en ce moment, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir exactement. Date de parution, il y a marqué in private alpha. Alors, je sais pas s'il y aurait. Ouais, private alpha, de toute façon, ce sera sous NDA. Donc, même si j'arrive à avoir un accès. Je pourrais pas vous en faire profiter, donc écoutez, nous on va se tester cette petite démo qui est disponible dans le cadre du Steam Game Festival. Pour le moment, le jeu n'est qu'en anglais, donc je ne sais pas si plus tard d'autres langues seront prises en compte. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de compatibilité manette, donc tout se fera au clavier. Je ne sais pas si c'est prévu pour être sorti sur une autre plateforme que Steam. Donc Orphan Age est un jeu de simulation de vie dystopique où vous incarnez non pas les soldats de la guerre mais les enfants laissés pour compte. Donc on va devoir survivre et gérer tous ces petits enfants. Donc écoutez, on va se lancer dès maintenant. Ok. Et puis on va voir. Alors déjà je vais faire un new game vu que je n'en ai pas commencé une. Tous les paramètres sont à fond. Ça s'est mis automatiquement. Donc c'est parti. Ok. J'espère qu'ils le traduiront. Ah, j'ai peut-être cliqué un peu trop vite là. Ok, là on a affaire à un soldat. Oh mon dieu. On va traduire ça correctement, pas de gros mots dès le matin. Radio Scratch Mac. Ok. J'ai peut-être poussé le curseur de la souris. C'est un peu long. Trop tard pour chercher tes parents, je crois, un truc comme ça. Ok, tutorial on, s'il vous plaît. Donc là, look machin, name, enter, King Julian. Je suppose que là c'est mon personnage et donc je vais prendre je ne sais pas qui. Ah, je vais peut-être prendre lui là. Story Foster Kid. Ok, donc là c'est peut-être les traits du personnage. Ce qui est pénible, c'est que c'est tout en anglais, donc je ne sais pas du tout ce que ça va être. Il est tout le temps content quand il mange, machin. Ouais, s'il faut le faire manger tout le temps pour qu'il soit content, ça va être compliqué, quoi. Je vais essayer d'en prendre où il y en a pas mal. Il serait quoi? Il serait fort au couteau. Ouais, non, non, moi je veux pas que genre il y ait pas de bonus ou je sais pas quoi. Ah, je pense que ça va être chiant à choisir, là. Je fais ça au hasard hein. On va en prendre plein. Je vais prendre ça là. Ouais, ok, j'ai des trucs qui un malus, j'ai des attaques physiques qui peuvent être faites rapidement machin et tout, mais en contrepartie je peux avoir quelque chose qui peut persister ou machin, donc je vais éviter d'en faire un qui se blesse ou qui se coupe ou machin. Tout le temps, enfin, c'est un need to eat more often persistant. Ok, non, on va éviter. Ah ouais, ça va être bien relou, quoi. Moi, je pense que ça va être ça. Hein. Il y aura du bonus et du malus. Je vais rester là-dessus. Hein. Ah non, là, ça a l'air d'être pas top, celui-là. Ouais, ok. Need to eat less but strength persistante. Ok, il a besoin de manger. Bon, écoutez, on va faire ça comme ça. L'âge 12 ans. School grade. Après, j'ai quoi? Je peux choisir des petits points moins D. Ah, je vais tout laisser par défaut. Hein.
Ouais, on va mettre qu'il est sociable. Ah, le poids. Ah, j'ai peut-être baissé là. Hein. On va lui mettre 2 D plus. Hop, c'est parti. Ah ouais, j'espère franchement qu'ils traduiront leur jeu parce que sinon ça va être chiant. Point of view, machin, ok. Donc là, hop, je me déplace, machin. Look, ok, donc c'est pour zoomer. Turn around, ok, donc c'est AE, je suppose. Orphan, pour déplacer. Là, je le déplace. Et là, faut que j'aille dans le stockage. Ouais, chercher. F. Ouais, F. C'est pas F l'action. Ah, tu mets pas des masses là. Là, je peux plus tourner. Non, c'est quoi cette blague? F, E, space. Non, space, ça veut pas non plus. Garbage, vas-y, cherche F. I'm hungry, je sais que t'as faim, va fouiller dans la poubelle. Ah, si déjà ça marche pas là. Ouais, F. Ah ouais, je suis bloqué, hein. Je vais rester appuyé pour voir. F. Et puis dès que j'enlève le curseur de la souris. Ah bah enfin. Sur raccourci, là ils me mettent F mais que ça marche pas. Machin, supply. Ok. J'ai pas m'éclaté à tout lire. Ça c'est action. Ok, c'est prendre, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils mettent un F à côté s'il se passe rien. Ok, j'ai du scrap. Vas-y, cherche encore. Ok, j'ai trouvé quoi? Un outil? Menu build to fourniture. Ok. Je peux crafter un feu de camp. Je suis obligé de le mettre là, je peux pas choisir où je veux le mettre. On va le mettre par là. Ils sont obligés de faire tout le tour. Ou il est parti chercher quelque chose. Ah, il est parti prendre des ressources. Ok. Ah, peut-être des pierres. Par contre, je suis rebloqué au niveau de l'axe de la caméra, c'est pas top top quoi. Et je peux pas me déplacer non plus. Non, me dis-moi pas que t'as bugué là. Ah, j'ai peut-être mis pause, c'est ça? Ah, je crois qu'en appuyant sur espace, je mets pause. Hein. Je vais éviter alors. Ouais, j'ai mis pause là encore une fois. Ok. Good night machin. Ok, ok, ok. Donc là, avec 4 scraps, je peux me faire un petit lit. Et là, j'aurai appris de nouveaux crafts. Ok. Alors, je sais pas si là où on est, ce serait notre petite maison. Est-ce que je peux fouiller là-dedans? Ouais. Ok, il faut cliquer sur le bouton cherche pour chercher. Donc là, il va falloir que je trouve ouais, des débris et des déchets pour me faire un lit. Mais si tu peux m'en choper 4, ce serait mieux, quoi. Je sais pas s'il faut que j'en fasse
D'autres pour la petite demoiselle là, Christina. Ah, c'est quoi ton bazar qui apparaît au-dessus là? Ok, cherche partout. Sous la bâche. Ok, bah je vais, on va fouiller toute la pièce. Hein. Toi, t'as du mal à passer. Hein. Ah, regardez, on a mis un pause, là, le logo il apparaît. C'était pas le cas avant. Je vais faire le coin dodo ici, près du feu. Ok, alors peut-être que je peux crafter quelque chose. Ouais, craft-nous ça, là. On va mettre ça dans le coin. Pourquoi tu me poses, là? Ah, machin. Ok, speed-up. Moi, je veux speed-up, là. Et c'est quoi les touches pour augmenter la vitesse? Ah, ils le disent pas, hein. Build. Chem, ah ouais, c'est là. Ok, d'accord, vas-y, speed moi tout ça là. Ah ouais, comme ça l'autre elle peut aller faire dodo. Ok, bah moi je vais continuer de fouiller, hein. Je sais pas à quoi correspond la jauge en haut. Ah, j'ai faim. Ok, bon, on va voir si on peut pas cuisiner quelque chose après. Ah, patch-up, pique-nique. Je peux fabriquer un pique-nique. Ok. J'ai peut-être lancé le pique-nique. Ah, je peux aussi aller chercher quelque chose dehors. Ouais, j'ai ma souris qui a un peu du mal là. Si je vais ici, ok, je suppose que je peux peut-être manger ça directement. Moi je veux crafter production. Ok, je sais pas si je peux faire un deuxième lit. Par contre, hall, j'ai pas vu là. Ouais, cooker, vas-y, viens cooker. Qu'est-ce que je peux cooker là? Je peux rien cooker. Et pique-nique, tu le fabriques comment là? Parce que je pourrais faire un pique-nique là, ils sont bien gentils. Modify, upgrade, ok, on pourra upgrade. Warm up. Upgrade, modify, non, non, non. Moi je veux fabriquer un pique-nique, build de pique-nique spot. Bah ouais, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas là, je peux pas, ça n'a pas l'air de changer hall. Pique-nique spot, je sais pas comment tu veux que je te fasse un pique-nique spot là. Ah, ça commence mal. Ah, ça y est, je peux rebouger la caméra. Ah ouais, je sais pas ce que c'est leur truc là. Peut-être que j'ai mes pecs qui apparaissent. C'est pas terrible la façon dont ça apparaît au-dessus. J'aurais peut-être mis ça dans un encadré sur le côté parce que là. C'est pas terrible, y'a rien dans le stockage. Ok, je vais éviter de sortir pour le moment. Ah, j'aurais bien voulu me faire mes crafts là. Kitchen machin bidule, ok. Et ils disent pas où c'est quoi. Fais voir. Là il y aurait la map. Menu crafting recipe ressources item. Ok, j'y ai pas encore accès. Par contre là ouais t'abuses, faut quoi, faut que je refasse un lit sinon. Je vais faire un deuxième lit, hein. Je vais le mettre là à côté.
Ah, c'est l'autre qui s'en charge. Parce que l'autre, il est trop fatigué. Il est quoi? Il est triste. Alors, je fabrique un lit, celle qui se l'approprie. Ah, slip. Ok. Ouais, t'as pas l'air de tenir. Vas-y, slip tout le monde. Ah, il peut changer de lit. Ok. Et pour prendre l'autre personnage, je fais comment? Vas-y, slip aussi, toi. L'autre, il a carrément disparu à l'intérieur. Oh, the fire machin bidule. Ok, warm up. Pas machin, alors, je sais pas si c'est en cours de route ou quoi, ou qu'est-ce, mais ce serait peut-être bien qu'elle se motive un peu. Ok, on peut zoomer aussi. Alors, je vais me faire pivoter comme ça, ce serait pas mal. Warm up, F, non, c'est toujours pas. Ok, c'est bon, elle s'est mise. Ah non, elle se réchauffe près du feu. Non, ce qui serait peut-être bien, c'est de l'alimenter là. Modifier. Ah, je veux pas forcément le modifier. Ok, bref. Ah, ça va être bien chiant. Est-ce que tu peux genre te déplacer à ton tour et chercher peut-être ici? Peut-être qu'avec toi il y aura quelque chose. Ah bah voilà. L'autre n'a rien trouvé, mais elle, elle trouve, c'est bien. Build a picnic spot. Moi je veux bien un picnic spot, mais ok, viens par là. Il y a un problème d'affichage là. Si c'est bugué votre truc, ça va pas le faire du tout quoi. Crafted machin. Ouais, des outils. Ça c'est mes ressources. Donc construction, tout ce que tu veux. Là j'y ai pas accès. Et là, je vois pas ce que je peux. Je vais pas refaire un sleeping spot, ça sert à rien quoi. Et j'ai pas accès aux autres catégories. Ah, ça va être trop chiant quoi. Ok, on va aller se promener un peu. On peut peut-être fouiller ici, on va commencer au fond. Ok. Alors, tu fais comment pour voir à distance? S'il y a quelque chose ou pas, t'es gentil, mais. Ok, bon bah retourne là, tu m'as saoulé. Bon vas-y viens, toi t'es reposé ou pas là? Ah ouais, s'il y en a aucun qui peut me construire le cooking machin bidule là. Furniture and pincraft recipe in the objective. Ah, je peux pas cliquer ici. Ouais, kitchenware, et là, c'est du scrap. Let's go. Retourne, move, désassembler, non, ok. Ah, ma souris qui veut pas suivre, là, je peux pas l'upgrade. C'est pas possible. Ah, je suis un peu triste. Si à peine commencé, je suis bloqué parce que je peux pas. Je peux pas construire un truc. À moins que ce soit au feu là. Mais ouais, cooker, je peux pas. Hein. Ah, je peux cooker un truc végétal. On va faire ça. Hein. Faute de mieux. Que je peux pas faire de picnic spot mais ça je peux pas le fermer là avec un machin non
fait il est en train de construire. On va attendre, je vais aller faire un petit tour avec la petite dame en attendant. Est-ce que tu peux chercher encore autre chose là? Back to main menu. Game over. Vous êtes sérieux ou quoi? Mais si ton truc il marchait correctement, il y aurait peut-être pas de game over. Continue à form the life save. Ah ouais, ok, vu que j'ai pas sauvegardé, ok, d'accord. Refuel the fire. Mais je l'ai mis devant le feu là, elle a rien fait du tout. À part se réchauffer les mains. Ok, new game. Continue, je peux pas. Eh ben écoutez, on va réessayer, hein, mais franchement, c'est chaud si son truc. Ah, ça marche pas là. Alors déjà, je vais vous skip tout ça. Ah ok, d'accord. Ils veulent que je rentre encore mon pseudo. Donc King Julian. Alors j'en ai fait un nerd là. On verra ce que ça a donné. Ok, donc là on est bon. Ouais, oui. Allez, vas-y. Enchaîne. Ok, jusque là tout marche bien. Ok, donc là ils peuvent se déplacer. Voilà, là tu cherches. Ouais, ok, on peut trouver des ressources et compagnie qui sont stockées ici. Ça jusque là, on a compris. Ah, si tu pouvais... m'enlever ça là, oui, vas-y, faut que je clique dessus, ça y est, voilà. Vas-y, remets lecture. Sauf faut que je trouve du bois pour alimenter le feu, je sais pas s'il m'en restait. Ok, craft un campfire. Je vais mettre ça près du baril, comme ça le baril il va accumuler la chaleur et on sera bien. Ah, je peux pas le jouer encore. Non, je peux pas jouer encore l'autre perso. Ce qui serait bien, c'est que lui... Ah non, ça... Oula, ça me pète les oreilles, votre truc. Ah, je suis bugué ou quoi? Ah, dès que je passe dessus... Ah, ça gueule. Ah ouais, s'il y a trop de bugs dans la démo, enfin, tu proposes pas une démo si c'est encore tout bugué et compagnie, quoi. Si c'est pas jouable un minimum et que ça fait que bugger, c'est pas la peine, quoi. C'est une démo Early Access Alpha, quoi. C'est ça, c'est... Je suis un peu déçu et frustré que ça se passe comme ça, quoi. Et l'autre, il est bugué devant son machin, là. C'est pas possible, vas-y, reporte-moi ça, là. Ah non, en plus, faut... J'ai pas envie de donner de détails, là. Ça va être trop long. Bah écoutez, on va abréger nos souffrances ici. Hein. Si... Et je sais même pas. Résume, setting, save game. Vas-y, save-moi le game. Je sais même pas si ça marche là. Résume. Ah, l'autre il est bugué devant sa caisse. Faut que j'évite de passer mon curseur dessus parce que. Il n'y a pas moyen d'annuler l'action en cours. C'est juste pas possible. Ouais, ils nient un tas de trucs, donc faut gérer leur bien-être et tout. L'autre, je peux pas l'activer, donc je peux pas activer Safi pour jouer, donc voilà. Et mon perso, il est bugué, donc bah écoutez, je vais retenter si j'ai le temps de refaire une petite partie. Je vais aller au menu parce que là, c'est une cata. J'espère que cette petite présentation vous aura quand même fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Puis on se retrouvera pour se tester à d'autres jeux qui ne bug pas et qui fonctionnent correctement. Parce que là, si on passe un temps fou à report et à des bugs, je suis pas là pour... Bah, j'aimerais jouer et essayer un minimum, quoi. Si vous voulez pas louper la suite de nos découvertes pour la fin de ce Steam Game Festival, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification. Mais aussi pour voir les prochains contenus et autres let's play présentés sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse là. C'était Orphan Bug. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et survivez bien. Orphan Edge. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour.
qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil? Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!